Jeudi 28 mars 2024, madame, monsieur, gros bonjour, gros bonsoir pour nous tous. Bienvenue dans notre journal spécial. Si là, journal nous présente en collaboration avec VOA Creole depuis Washington DC. Actualité au concernant pays d'Haïti, conseil présidentiel là, avancé dans route pour joindre une entente pour être capable de choisir un président pour diriger conseil si là, qui t'a dû installer dans le jour Cavigno selon information. Mesdames et messieurs, après rappeler jeudi et même jeudi à même gagné une rencontre avec éminente personnalité CARICOM côté et conseil présidentiel là Pralchita sous différents points parmi eux un document que tu as déjà élaboré pour qu'on ait comment conseil présidentiel là l'a gagné pour installer pendant à Montana t'a demandé pour te bailler 72 heures de temps pour même yo capable réfléchir puis bon moyen pour organiser élection en dans conseil là jodi a 72 heures de temps ça ta dû écouler pendant yo pa di ki lè élection a gagné pour organiser toutefois yo bay assurance y a gagné pour yo joindre yon sortie de crise nan maintenant jou k ap vina yo pour capable permettre conseil là li installer d'ici et semaine cap vini là prince sa yo pral développer nan VOA Creole. L'autre point nan actualité a faut que nous di ou gen administration américaine nan ki t'ap pral gagner pour le décaisser 10 millions de dollars et 10 millions de dollars ça c'est pour Haïti pour capable combattre insécurité. Et bien selon information qui rive joine sale nouvelle nous fait quoi que administration américaine nan pral décaisser comme ça dans intérêt police nationale là pour capable acheter munitions casse ak gilet pa balle pour même yo capable efficace dans travail a fait pa bon ici dans pays d'Haïti. Et bien qui te dit autour gagne tout et bien au commissaire des Nations Unies lui même qui fait qu'on est que violence gang yo sorti janvier pour arriver mois de mars 2024 là c'est déjà 1554 et bien moun ki touye à cause et bal kap tire nan tout coin à cause violence gang yo jan ou s'entende là mesdames et messieurs c'est déjà 1500 moun ki mouri mesdames et messieurs selon et bien Nations Unies yon et bien information qui vraiment choqué en pile moun pendant tout moun te konnen ki sa information ayé côté chaque jour ou levé nan pays d'Haïti c'est moun kap tombe nan international la faut que nous dit ou y a ça qui gen pour avec collision qui fait en bateau cargo avec pont et Baltimore dans état Maryland. Et bien enquêteur qui continue y a mené enquête pendant plongée yo y a retrouvé deux corps parmi six qui étaient disparaît dans cadre collision ça qui était fait dans États-Unis côté un bateau t'a fait collision avec un pont et pont ça t'a crasé jour moment n'a parlé à enquête yo a continué pendant mesdames et messieurs y a retrouvé deux corps parmi six qui étaient tombés yo information ça yo pral développer dans VOA Creole. Moi c'est Jean-Bert Philippe. Actualité a dans état Maryland autorité a enquêté sur bateau cargo qui crasé un pont dans Baltimore état Maryland dans moment sécurité récupérer deux cadavres pour Bibiti. Administration américaine a porté une victoire partielle après un coup d'appel dans New Orleans bloqué provisoirement loi controversée état Texas sur immigration. Et puis en Haïti crispé a traversé depuis quelque temps semble sur route pour joindre une solution après conseil présidentiel a annoncé il y a travail pour finaliser installation yo ak nomination yon président. N'ap sa tout le monde, n'ap remercie ou, jeudi a se, jeudi 28 mars 2024, Jacques Belize pour un petit congé bien mérité pour le capable reposer et justement recharger batterie encore pour le capable retourner venir frapper avec nous encore boy si a traité ap men directement dans état Maryland particulièrement dans ville Baltimore côté yon bateau cargo te crasé ça il y a longtemps yon pont et sous état sera le maire pour plus de détails.
Enquêteurs ont commencé à collectionner preuves dans le bateau cargo qui était frappé pont Francis Scott Key, Baltimore, là, et puis fait effondrer. Pendant ce temps, Daiva a cherché dans l'eau 6 travailleurs construction qui travaillent sous pont, hein, leur lit est plongé descendre dans la rivière. Autorités ont joint 2 cadavres victimes mercredi. Ils ont présumé ratio mourir. Westmore, c'est gouverneur État Maryland. Today is an important day. It's important that we also acknowledge the moment that we find ourselves in. Les jodia c'est un jour important. Faut que nous reconnaître moment n'a traversé. Et puis jodia n'a pensé à famille d'Orlian Castillo Cabrera et Minor Yassir Suaso Sandoval que nous joignent et puis identifié hier. Nous la prier pour famille et famille toutes victimes effondrement pont Kila. Que nous avec famille. Nous chagrin en pile pour tragédie ça. Victimes yo c'est mon Mexique, Guatemala, Honduras et Salvador d'après ça autorité au fait connaître. Minor Yassir Suaso Sandoval 39 ans, c'était petite puis jeune parmi 8 timoun famille. Les semoun Asakualpa un bouc nommé Honduras, tout près frontière Guatemala. Ça a 18 ans de ça, l'Ital États-Unis pour chercher opportunité. Il était entré aux États-Unis illégalement et puis établi colli dans l'État Maryland, côté éventuellement il était ouvrir au business avec Frélio. Martin Suaso Sandoval fait connaître mercredi. Il décrit Frélio tant qu'un nègre qui était fort en business et puis travaille dur. Il fut un pilier fondamental, un bastion pour que d'autres personnes de la famille aussi pourraient voyager vers là. L'utilité d'un potomitant fondamental famille qui te permet à même famille de voyager aux États-Unis, jouer un visa, tout bagaille. C'est lui-même qui te gère tout voyage pour la majorité de la famille. Sandoval dit, c'est dans le grand matin qu'il te apprend un nouvel accident. Nous ne savions pas nager et nous avons fait que pouvait avoir sorti de quelque part. Il dit frère, c'est qu'on nageait et nous avons espoir que l'étape capable de sauver tête li. Mais n'absent nouvelle officielle sous ça qui est passé exactement. Monsieur dit toute famille en dévastée, surtout maman li. Gain 3 Mexicains qui étaient sous pont lol était tombé à parmi eux youn qui était blessé avec 2 autres qui disparaissent. Ministère Affaires étrangères Guatemala a confirmé que gain 2 citoyens li qui étaient parmi moun qui disparaissent sous pont. Ministère Affaires étrangères Salvador, Alejandra Gil Tinoco, publie un message sur réseau X mercredi côté li dit un citoyen salvadorien Miguel Luna était parmi travailleurs qui disparaissent yo. Pendant ce temps, dans Baltimore, citoyens yo a essayé gérer gros choc yo prend par rapport avec un moyen transport clé que yo kon utilisé chaque jour. Désastre à la cause pour Baltimore là ferme tout, ça qui gain gros impact économique sur tout monde qui servit à vel. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Actualité a mené nous dans la ville de Genève, en Suisse, côté responsable des Nations Unies pour les droits humains, Nations Unies pour Haïti. Et bien, présenter un tableau sombre sur la situation des droits humains dans la nation Caraïbe, là, par Léo Saint-Louis depuis New York. The situation in Haiti is cataclysmic. Volker Turk, qui c'est haut commissionnaire Nations Unies pour droits humains, t'a dit dans une déclaration qu'elle t'a fait depuis Genève, pays la Suisse, que Haïti dans une situation cataclysmique. Situation désordre chaotique là qui a crasé quelques pays d'Haïti a vint cataclysmique avec plus passé 1500 monde qui mouri en bas violence gangio jusqu'à présent année ça avec plus âmes tout qui a entré dans pays a. Selon ça Nations Unies t'a dit jeudi 28 mars là. Dans un nouveau rapport bureau droits humains Nations Unies sorti, li bay détail comment corruption, impunité et mauvaise gouvernance vient aggraver et puis augmenter niveau violence gangio qui affaiblit état de droit et puis effondrer presque toute institution l'état. Bureau Nations Unies pour droit moun yo te déterminé que violence gang yo te fait 4451 victimes, moun ki mouri avec une autre quantité 1668 moun ki blessé pour année passée. Et puis juste dans 3 premiers mois année 2024 seulement, rivé jusqu'à date 22 mars là, 1554 moun te mouri ak 826 moun blessé selon sa rapport a te dit. Rapport a te décrit violence sexuelle qui a augmenté tant que force et femmes dans relation sexuelle, exploitation par membres gang yo, viol à kidnapping qui fait sous femme yo après que yo te wè gang yo touye mari yo devant yo. Volker Turk te mette accent sur recrutement ak abus que gang yo fait sous ti moun yo, que ces ti garçons soient ti fi, yo même yo vinn pas capable quitter groupe gang yo parce que yo peur pour gang yo pas faire revanche sou yo. Haut commissionnaire Nations Unies pour droit moun nan Volker Turk te dit
Toute pratique ça yo exorbitant et yo doit suspend une fois pour toutes. Rapport Nations Unies en longe doit tout sous ça yo relé brigade autodéfense là que population yo te mette campé pour contrecarrer violence gang yo cap intensifier. Li averti que moun yo a continuer bay propre tête yo justice. Au moins 528 cas en charge bois calé été rapporté année passée. Parmi yo 18 femmes d'après rapport. Et pour année ça jusqu'à présent, yo te rapporté plus passé 59 bois calé pour année ça. Malgré un embargo d'armes internationales qui était mis en place pour essayer d'empêcher violence dans le pays, le rapport a dit que il y a toujours une grosse circulation d'armes et munitions qui a déroulé à travers frontières pays d'Haïti. Le Haut Commissionnaire des Nations Unies pour droit moun yo t'a demandé pour contrôle national et international la plus serré pour empêcher trafic d'armes et munitions entrer et puis continuer créer conflit dans le pays. It is shocking that despite the horrific situation on the ground, arms keep still pouring in. I appeal for a more effective. Li choquant que malgré situation terrible sous terrain, ZAM continue à vider dans pays a. Moins fait appel pour une application plus efficace dans embargo ZAM yo. Rapport a parlé tout de nécessité pour déploiement urgent yon mission support sécurité multinationale pour aider police pays d'Haïti à couper violence et puis protéger population. Rapport Bureau Nations Unies pour droit moun yo te dit que améliorer sécurité a pour compte li pas apporter une solution durable, mais li mettait accent tout sous nécessité pour faire bon politique qui visait rétablir état de droit dans le pays. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Pas oublier de partager les nouvelles avec les amis, les familles, pour que vous même tout connaître ce qui a passé exactement, pas seulement dans le pays d'Haïti, mais tout dans le monde. Nous pourrons aller dans le télévisionnaire pour aller dans le pays d'Haïti, côté conseil présidentiel, là, faire appel à l'unité dans l'idée pour résoudre crise et pays à traverser depuis quelques temps déjà, Yves Manuel. Conseil présidentiel là informé à travers yon communiqué limité de yon la travail dans l'idée pour le prendre fonction officiellement. Cependant, li pas avancé en quelle date pour sa fête. Dès que nous fin installé, n'a travail pour nommer yon premier ministre et n'a formé yon gouvernement union nationale. Démarche à viser restaurer légitimité démocratie, hein, stabilité et dignité pays, hein, selon sa conseil, au fait qu'on est dans le communiqué. Le conseil présidentiel l'a précisé, l'a préparé le tout pour installation, en fait, officiellement. Critères et mécanismes, yo, déjà élaborés pour choisir président ou présidente conseil, hein, et puis tout pour nommer yon premier ministre et cabinet ministériel, là. Ensemble, n'a exécuté yon plan clair pour rétablir l'ordre et démocratie. Ça passait par renforcement sécurité, citoyens, soulagement, misère, peuple là, nous parler tout vers élection libre cap accompagné de réformes qui nécessaires pour faire pays progresser selon ça document fait qu'on est. Conseil présidentiel là a finalisé actuellement un document qui bail détail sur organisation et fonctionnement et gain là-dedans tout un accord politique selon représentants différents blocs yo qui signe un document ça à l'exception de représentante Réan Régine Abraham. Enfin, Conseil a dit conscient de ampleur crise là fait appel à unité nationale une façon pour travailler pour rétablir un climat la paix en dans pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. N'a toujours été dans Port-au-Prince côté directeur police nationale là France RB mandé policier yo kembe jam dans lutte à mener contre nèg armé identifié comme bandi Renan Toussaint. D'après une vidéo qui est publiée sur page Facebook officielle la police nationale d'Haïti, directeur général institution France LB fait état différents attaques bâtiments qui logeaient police nationale l'a subi un bâtiment présumé bandit armé, plusieurs milliers moun bande armée fait courir qui des cailloux à quantité bien public à privé bandit pillé. DGPNH l'a tenté mettre population haïtienne en confiance face à toute dérive, ça y est. Dans cette situation difficile, ça, que nous avons examen à tout acolyte, mettez-nous, la police vient dire nous, les campés ferme avec nous et les comprennent le problème avec tête chargée que nous avons traversé. La police vient dire population, c'est résistance qui bat force et courage pour continuer la bataille, pour nous tourner dans le quartier nous et dans notre famille. Nous. Pendant ce temps, commandant en chef la police là, salue le travail policier. Yo, li estime ki pa rete bras croisés devant action bandi yo et mandé yo continuer goumen pour rétablir l'ordre et sécurité sur territoire national là. La police après poursuivre opération yo la journée ou la nuit. C'est peut-être ça tout. Commandement pa jamais suspend faire louange
pour courage et détermination policiers vaillants nous yo qui te respecter consigne que nous débayo et qui capé jam l'engoumé pour la paix retourner la journée pour la nuit pour ne pas quitter pays à tomber dans main bandi criminel yo commandement a profité dit frère Axel policier yo que me femme pas la guerre parce que j'ai force à yo provoquer en pile admiration et ak satisfaction l'ami de la population à gros commandement. Déclaration DGPNH, la France LB, venue dans le moment côté président américain Joe Biden autorisé secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour le voyer par la police nationale d'Haïti 10 millions de dollars américains cap sorti dans le ministère de sécurité intérieure États-Unis. Renan Toussaint, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Alors, on dit que l'agence a pour elle servir pour acheter des armes avec munitions pour la police nationale là, capable de continuer la bataille à mener contre la gang armée. Dans l'autre nouvelle, Dr. Fritz Bissret, leader congrès Wana Metlan, et bien, lui-même qui t'a pris pour une question, collaborateur nous, Jacques Mélisier, et bien, lui-même dit qui façon que même lui était quoi, ou bien qui démarche quoi, transition est capable d'entreprendre pour y réussir. Nous croyons que pour la réussite, n'est-ce pas, d'une transition, pour une transition et qui réussit, nous parler de l'inclusion. Il faut que le dialogue se fasse avec tous les secteurs. Et il faut que nous arrivions à un pacte, n'est-ce pas, à ça, nous avons un protocole de paix. Nous rencontrer en pile le secteur international, côté la même situation, ça, yo, nous garder comment yo résout, yo, que ce soit en Afrique ou bien en Amérique du Sud, et nous prenons tout document ça, nous travaillons sous yo, et nous prenons des contacts également à travers, soit directement à travers des intermédiaires, avec les nouveaux acteurs de la crise, dit yo, mais réalité. Parce que qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Nous pensons que il y a un pile monde qui a un pile ambition, mais il faut que chaque monde connaisse qui côté est capable de placer en dans nos structures sous nos échiquiers. Il faut avoir, non pas des chevilles carrées dans des trous, mais il faut avoir, n'est-ce pas, the right person in the right place. C'est-à-dire, les chevilles carrées dans des trous carrés et les chevilles rondes dans des trous ronds. Donc, voilà pourquoi nous pensons que dans ce dialogue permanent que nous avons fait avec, n'est-ce pas, tous les secteurs, nous demandons de prendre conscience de la situation. Parce que ce qui manque, d'une manière générale, auprès de ces acteurs, c'est l'amour du pays. Parce que qui s'arrive? Je ne pense pas que ce qui est fait actuellement dans le pays, là, c'est un simple hasard. Que c'est une forme de destruction qui est fait, que c'est un bagage qui est fait. Il n'y a pas un bagage qui est fait au hasard. Et nous ne sommes pas naïfs. Nous comprenons très bien ce qui est fait là. Voilà pourquoi nous autres, nous rencontrons, n'est-ce pas, des mondes. Nous pas seulement contentons-nous de faire des analyses, de faire des lectures, mais nous essayons le maximum de données possibles pour nous capables de dire qu'il y a une possibilité, n'est-ce pas, d'avoir dans ce pays ce que nous appelons un pacte ou bien encore un protocole de paix, n'est-ce pas, et que nous capables d'arriver à faire monde prendre conscience parce que yo ouais déjà et que ceux-là qui sont des valets, qui ont toujours été des instruments utilisés, n'est-ce pas, par l'international, lorsque nous pas capables des exemples, nous pas contenter seulement de barrer des exemples de ça qui passait dans des pays étrangers, comment ils ont utilisé, leur fin utilisé, comment ils servaient avec eux après, mais nous barrer des exemples récents dans notre histoire de monde qui était toujours pensé que parce qu'ils sont au service, n'est-ce pas, de Coulon, parce qu'ils sont au service de l'étranger, eh bien ils sont bien gardés. Nouvelle concernant l'immigration, eh bien, l'administration Biden a remporté une victoire partielle après un tribunal dans l'État de Louisiane, parce qu'il y a dans Nouvelle-Orléans, eh bien, prend décision pour bloquer loi controversée État ecclésiastique pour limiter en application sous immigration. Un coup d'appel États-Unis dans Nouvelle-Orléans bloqué tentative État ecclésiastique fait pour appliquer une loi immigration controversée. Loi qui est le SB4 considéré comme criminel immigrant qui t'a rentré illégalement dans l'État Texas et ba juge au pouvoir pour déporter immigrant avec possibilité pour y passer jusqu'à 20 ans prison si au pas vrai au tempéré. Edna Young, co-directeur groupe American Gateways, déclaré proposition inconstitutionnelle ça pas dérivé dans point ça. N'attend pour tribunal yo bloquer définitivement pour capable continuer discuter sur solution politique réelle.
Loi SB4 là, yon jete bloqué en février, a fait face avec une série de défis légaux, malgré que le suprême nan brièvement te permet d'y entrer en application. Mais après une révision approfondie, tribunal coup d'appel là, avec deux voix pour, yon compte empêcher d'entrer en application en attendant d'étendre des positions parties concernées au 3 avril qui vient là. Quelques officiels locaux dans l'État Texas déclaré qu'ils doutaient sur l'impact loi ta capable de gagner, même si le tribunal a accepté l'entrée en application. Skylar Hearn, directeur exécutif de l'association Sheriff État Texas, parlait pour dire que loi pas ta pral porté changement sur frontière à cause de soucieux qui pas assez. Chaque monde a fait ça capable de dire. Heureusement, le gouvernement fédéral là a fait partie pal dans pifo zone frontalière. Administration Biden a plaidé pour dire loi Texas là empiété sous droit exclusif gouvernement fédéral a gagné pour appliquer loi complexe immigration. États-Unis établit procédure pour déportation et puis permettre immigrants yo appliquer pour asile à clôt et statut légal. Immigration avec sécurité sous frontière États-Unis partagée avec Mexique, c'est un sujet important dans campagne électorale élection 5 novembre yo, entre président démocrate Joe Biden et candidat parti républicain Donald Trump. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Quelque dans notre point cap de mini actualité avec Marie-Louise Pierre. Organisation Médecins du Monde là, t'es visité monde qui était dans le camp déplacé au dans le lycée des jeunes filles dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, mardi 26 mars là, dans le moment avenue politique pays a, dans un impasse à gang armé qui gagne plus contrôle sous villa, à plus loin toujours. Un tribunal t'a empêché tentative Texas t'a fait pour l'appliquer une loi qui t'a soulevé en pile parole en pile pour arrêter moun yo suspect qui t'a traversé frontière États-Unis avec Mexique illégalement. Mercredi 27 mars passé, yo mené yon ti moun piti palestinien qui te gen 2 mois qui t'a souffri ak malnutrition grave nan l'hôpital Kamal Adwan nan Nord Gaza. Yo rapport Nations Unies te appuyé mois sa, te di a fè gran goût frappant et gen pile chance pour rive nan mois mai nan Nord Gaza. Merci Marie-Louise Pierre. Dans notre cadre de mini-actualité, nous parler dans la ville Cap-Haïtien, côté et malgré un pile problème, il y a confronté mais l'hôpital Université Justinien dans la ville Cap-Haïtien continue à pourvoir service tri. On a jeune à Maxino pour plus de détails. Malgré difficulté, la fait face à lui, l'hôpital Université Justinien dans la ville Cap-Haïtien continue à l'ouvrir pour recevoir population grenoise qui vient chercher soin la santé. Directeur exécutif de l'hôpital là, docteur Jean Geto Dubé, a expliqué quelques difficultés il a rencontré. Normalement et l'hôpital là depuis quelques temps travaille 24 sur 24 et bon médecin assez motivé, tout staff là assez motivé malgré comme si manque de moyens qui gagne yo. Je pense que les urgences qui arrivent jusqu'à présent, pendant toute période, nous répondons à eux-mêmes. Et l'urgence en général, l'urgence médicale et l'urgence chirurgicale aussi, et les urgences de césarienne aussi, et les pédiatriens, je n'ai pas parlé depuis quelques temps, les pédiatriens full à 100%. Donc, en d'autres termes, et relativement, je pense que nous avons un rythme croissant malgré tout problème qui gagne. L'hôpital là, selon le responsable, a fait face dernier temps à gros problèmes économiques à cause pays qui sont censés loc. Directeur exécutif l'a expliqué, il y a une grosse difficulté pour joindre médicaments qui sont sortis capital là, Port-au-Prince. Maintenant, nous venons dans contexte comme si nous avons de pays, nous formons de pays loc, parce que nous sommes bloqués. Donc ça veut dire que tout produit est sorti de Port-au-Prince. Nous avons effectivement des problèmes comme si pour nous approvisionner nous et en entrant, qui viennent chita déjà des problèmes comme si connus du financement. Mais comme je te répète encore, jusqu'à présent, malgré tout problème ça, l'hôpital a fait tout ça capable pour faire face à la responsabilité et la mission. L'hôpital universitaire Justinien pas de moyens pour acheter gaz pour Delcoyo. C'est grâce à un système solaire tout neuf, il fait un gain qui permet de jouer l'énergie électrique pour capable fonctionner. Nous avons un système solaire qui est de tous les jours. Nous faisons rationnement un petit peu le soir
pour gérer l'urgence. Mais si nous avons un système solaire, je vous garantis que nous avons vraiment en difficulté parce que nous n'avons pas de carburant. Responsable a fait qu'on est dans un moment gros problème, il travaille dans la tête collée avec l'hôpital qui tout près, dans l'esprit de coopération, yon et de l'autre pour résoudre une série de problèmes. C'est ça qui te permet de combattre le coronavirus et la choléra. Gemilo, gen quartier Morin, c'est deux autres hôpital quand même qui dans le département et bon, on va parler de Pillon qui est là mais on va parler de l'hôpital qui près l'hôpital Justinien. Tout l'hôpital ça quand même travaille et dans moment de crise, on était fait le Covid là déjà. Chaque fois ça arrivé en coordination pour nous faire face à des cas qui ta nécessité quand même que nous go référence une pour l'autre. Justinien qui dans centre ville au Cap, c'est pigo l'hôpital l'état dans le département Nord. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour la Voix de l'Amérique. N'a prêté dans Grand Noir, côté la police gaye à gaz lacrymogène, manifestation population 5 communes dans Nord avec Nord-Est a fait compte raté ou bien raté et courant électrique. Nous voyons Jodelet, Junior Saint-Ville, depuis Villefort Liberté. En bas invitation regroupement des citoyens engagés de Trou du Nord qui gagnent non jouet li reset plusieurs centaines citoyens qui étaient sortis dans 5 communes département Nord ak Nord-Est qui c'est Limonade Trou du Nord Caracol Terrier Rouge ak Sainte-Suzanne manifesté hier mercredi 27 mars 2024 là dans ville Trou du Nord à Caracol contre responsable compagnie courant électrique Enrica qui n'a pas industriel Caracol là parce que d'après ça yo di yo changé horaire distribution courant qui était 24 sur 24 qui passait connia là à seulement 3 heures de temps. Et un petit temps après, la police qui t'a sécurisé manifestation a utilisé gaz lacrymogène pour te gayer foule là qui t'est gonflé devant portail principal parc industriel Caracol. La police c'est directeur Enrica qui en charge pour faire ça. C'est pas premier jour nous venir devant là, nous pas faire des ordres. Police n'a pas le droit à tirer barrière sur nous, à boire gaz sur nous. Nous disons ça à pas un état. Tout le temps, pas de courant 24 sur 24 pas capable de fonctionner. Objectif nous, après-midi, c'est pour nous lancer un message clair. Bye, monsieur qui n'a tête NRECA. Les USAID, les USAID tapent gérer courant NRECA. Nous avons des courants 24 sur 24. Depuis monsieur ça, il prend tête NRECA. Pas de courant, ça fait courant pas de courant. Nous allons jusqu'à demain si Dieu veut. Nous allons jusqu'à demain si Dieu veut pour retourner courant 24 sur 24 fois. Nous-mêmes au niveau Trou du Nord, Caracol, Sainte-Suzanne, Limonade et Terre Rouge, nous disons tout autant Enrica pas retourner sous décision. Pour ben nous courant, Jean Déa n'a pas tout béton là et n'a pas empêché par industriel à fonctionner. Après manifestation si là, sans printemps, responsable compagnie électrique Enrica yo fait sortir une note. La dedans yo déclaré et n'a pas cité. Après confirmation que factory qui n'a pas industriel là pral suspendre travail pour reste jour dans semaine ça, n'a informé que ça a permet nous augmenter quantité les courants. Sorti 7h à soir pour arriver minuit et demi. 5h temps à 30 minutes. Commencé à soir 27 mars là. Augmentation ça a apprêté pendant l'autre semaine dans tout, avec l'espoir premier cargaison gaz cap sorti Saint-Domingue yo arrivé dans fin semaine là. Fin de citation. Dans notre si là, responsable yo fait connait. Seule façon y a capable respecter nouveau horaire courant, c'est si yo continue joindre gaz cap sorti en République Dominicaine. Yon dossier n'a pas suivre. Jodle Junior Saint-Ville, depuis zone industrielle Caracol, département Nord-Est pour VOA Créole. C'est l'absurde pour tout. Une organisation dans Chicago, Illinois, offre cours anglais gratis pour immigrants, non seulement qui vivent dans la ville là, dans la pays de Chicago, mais dans la zone alentour. Nous avons un journaliste, Obed Lamik, pour plus de détails. Mandelé Dorette, c'est un jeune haïtien qui est dans la trentaine. Il débarque dans la zone Chicago dans le mois de janvier avec un pile rêve dans la tête. Mais une des premières barrières qui monte sur l'autre, li, c'est la langue. On va vivre dans le pays, on va parler pour bébé. Et moi, il y a. Offre non plus l'opportunité, mais à l'opportunité à tout, faut me capable les langues pour aller à l'école. But si me bagain langue, but m'quoi m'bap kafar. Mais Mandelé déterminé pour changer situation ça. Y a peine inscrit dans un programme anglais qui fait spécialement pour migrants haïtiens yo. Mon expérience me fait un programme là, c'est un test sur moi, but moi test ça pas tellement mal que ça. M'assez dégagé, mais bonne 25 questions. Moi bon à tous les 25, obtenir résultat et lundi. Yon nan moun ki vini avec l'idée pour mettre programme ça sous pied, c'est Aline Loture, yon citoyenne qui travaille en pile avec migrants haïtiens yon dans zone nan. Bon, pour nous même, c'est première fois que nous mettons cours d'anglais
et English as a second language pour communauté. Nécessité en c'est pour mon nous yo famille nous yo qui fait venir pour apprendre anglais pour gérer la vie yo avancer la vie yo avancer étudio pour qu'à travailler pour comprendre des documents que y a ici hein ça sont gros on go ba lié pour mon yo aussi un papier yo yo en anglais gade le pas comprendre ça y a ici hein donc yo obligé gen moun ki obligé pour interprète pour mon yo et c'est pas seulement anglais gen plusieurs autres nouveaux migrants haïtiens qui gen inscrit dans programme anglais ça. Sari Chavan, professeur qui a fait cours anglais, a bâillé quelques détails sur Jean apprentissage là pour le dérouler. Nous avons 19 monde qui inscrit déjà, mais moi j'ai déjà anticipé que la majorité a, c'est en ligne que pour aller faire classe là parce que gagne qui pas même dans localité à là, yo très loin. Objectif là, nous commencer dès le début parce que nous assumer que c'est pas tout le monde qui parle anglais, mais nous pour aller travailler quand même à niveau monde à côté hier. Faut que nous dit tout, étudiants haïtiens n'ont pas payé un goud pour prendre cours anglais ça. Programme ça est fait gratis grâce à une collaboration entre organisation polonais américaine yo à congrès haïtien américain. It both reflects our programme ça reflète mission nous gagner pour nous servir toute communauté immigrante en Chicago. D'ailleurs, j'aimerais apprendre ça, histoire haïtienne m'a rendu à l'histoire la Pologne. Sorti surtout dans fin 18e siècle là, dans période la guerre pour l'indépendance là. L'histoire rapportée, il y a plusieurs soldats polonais qui ont marché derrière Napoléon et qui ont décidé de changer de camp pour aller porter renfort plutôt par les Haïtiens qui ont bataillé pour l'indépendance. L'important pour nous continuer à honorer l'héritage ça et surtout continuer à créer plus de liens entre Haïtiens et Polonais. Pour qu'on y ait, Mandelé toujours a cherché travail pendant qu'il a pris un cours anglais et il espérait niveau anglais à améliorer dans un temps qui n'est pas trop loin. Nous avons un programme dans 6 mois. Pour qu'on ait un cavalier là, pour qu'on ait une conversation normale à l'époque. Obed Lamy, pouvez-vous à créole depuis Chicago? Eh bien, nous parlons dans Orlando, Floride, côté de nous parlons d'une correspondant, non, Yves Montpoulier. Vedette internationale, chanteuse allemande qui grandit dans la ville cap-haïtien, dans nos pays d'Haïti, Cornelia Chute, alias Ticon, mandé haïtien dans tout secteur en Haïti, tant qu'on en diaspora, fait un seul pour retirer pays d'Haïti dans situation difficile à vivre, jeudi, dans un petit palais avec VOA Creole, Ticon lance appel by politicien yo pour dire yo, mettez à côté tout intérêt personnel dans la question l'argent à pouvoir, mais plutôt travail dans l'intérêt pays d'Haïti. Mettez tatou ensemble pour régler le problème, ça? Et puis, faut que yo ta suspend tout moun a essayé fait cob et tout ça. Gen l'autre valeur dans vie moun qui compte plus, justement, pour aider l'autre moun, l'amour et tout ça, qui est beaucoup plus valable que l'argent et pouvoir. Et vedette là, qui chantait Haïti, n'a presque toute musique li, c'est avec cœur serré, avec un pile la peine, la vive depuis pays l'Allemagne, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Son bail qui serré comme un pile, et puis il y a des musiques tant que sous le ciel d'Haïti, l'aime chanter, un pile émotion sous lui, mais on connaît, faut continuer à chanter, parce que c'est ça qui fait mon yo. Continuer gon rêve que Haïti sa capable tourner. Ticon t'es parlé comme ça dans ville Orlando côté il t'es performé pour la première fois pendant week-end là devant membre communauté haïtienne là. Yves mon premier vieux créole ville Orlando dans l'état Floride. Bonsoir tout le monde. Bon week-end.